Allez hop, let's go. Lancement et délai record de la semaine de la game. On sort un Galio. Pour l'instant, Galio, ça a été que des games toutes pourries. Donc pas évident de vous mettre un record sur YouTube. Faut au moins que les games soient intéressantes. Je dis pas, genre, on s'en fiche qu'on gagne ou qu'on perde. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai vu ça. J'ai regardé un peu le YouTube et j'ai vu que des gens se plaignaient comme quoi je mettais que des vidéos où je gagnais. Mais en fait, je m'en fiche. Pour un record, on s'en fiche. Qu'on gagne ou qu'on perde, bien sûr, je préfère gagner des games, hein, évidemment. Mais le but, c'est que la game soit intéressante. Le problème, c'est que des fois, je fais des très bonnes games. Il y a des games où je suis vraiment, vraiment bien. Et c'est un gros stomp et on perd la partie. Donc ça sert à rien. Comme hier, j'ai fait un Renekton, j'en ai eu 8-3, mais tout ma team était à 1-6. Donc ça sert à rien de lancer le récup. Enfin, de mettre sur YouTube ce genre de game. Et après, il y a le souci aussi de. Si je me fais stomp, peut-être que la game sera intéressante, mais de mon point de vue, il n'y aura aucun intérêt. Les viewers vont juste voir un mec en train de se faire rouler dessus. Et peut-être qu'on va la gagner ou qu'on va la perdre, mais en tout cas, il se sera rien passé de mon côté. Donc c'est pas facile d'avoir des games perdues intéressantes. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup plus de wins que de défaites. Voilà. Bref, du coup, on va jouer contre un Kled. Il y a beaucoup de Kled en ce moment dans la méta. Ça vient d'arriver. Alors que c'est un champion j'étais à la limite un des seuls à sortir. Je peux en courir pendant un mois en jouant, tu viens avec moi. Si tu la win, je te paye le billet. T'es sérieux, mec? Ça, tu m'aurais dit en août, let's go, quoi. C'est ça. Le trade est ok. Juste dommage, mon jungle sera pas disponible. J'aurais pas ce clip. Oh non, je l'ai pas eu non plus, tu vois. Ouais. Non, par contre, ça, jamais de la vie. Pas compris son flash. En plus, j'arrivais pas. Ah, ok. C'était obvious, putain, je suis con. Je comprends pas son flash, pourquoi il fait ça, quelle grosse merde. Le gank à 3 minutes, le truc assez obvious hein, quand même dans la Ligue des Légendes, mais vous voyez par exemple ce genre de vidéo, peut-être qu'elle ne sera pas sur YouTube, on ne sait pas. Parce que peut-être que la game sera bien, mais de mon côté pour l'instant c'est de la merde. Pas facile. Un début de game, ma foi, compliqué. Sur un match-up comme j'ai dit qui est négatif, donc non. Tourelle, s'il te plaît, sois gentil avec ce creep. Donc on va voir. Il a sa TP advantage. Donc ouais, le but c'est vraiment pas que je joue la lane. Je sais pas pourquoi je prends pas mon sort. Mais le but aussi c'est que je ne meurs pas sur ma lane. Ça peut être intéressant. Mais le problème c'est que Galio c'est trop simple à tuer. Genre là ils peuvent me free gank H24, c'est ça le gros souci. Je voulais pas taper. Voilà. Alors ça, il y a le taunt, mais vraiment c'est super simple hein, de gank un Galio. Alors Robin va me full camp et ça va être un gros souci. Le Graves, il a pas l'air de vouloir venir. Ok, ils vont back. J'avais peur de me faire dive, après j'ai encore quelques PV, mais parce que c'est enfin le Kled a juste à me go et je peux rien faire. C'est de la merde ça. Non, j'aurais presque plus le kill. J'ai juste eu un peu peur. En même temps quand tu vois ça. Donc ouais, c'est de la grosse camp sur la top lane. Mais bon, ça peut peut-être faire un... En vrai, ça peut être pas mal aussi. C'est-à-dire que ça se trouve, vu que je me fais full camp, mon Graves il est en train de full farm. Et ça va faire la diff. Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Prends mon Graves. Pour l'instant, il met beaucoup de farm. Genre, forcément. Le Kled va freeze à lane. C'est infâme, putain. Mais j'ai pas le choix de rester, du coup. Alors là, on va juste push. Hein. C'est-à-dire que même le last hitting, on s'en fiche. Faut juste push la wave. Il peut pas freeze celle-là. Il y a trop de CS. Oh, purée, il va le faire. Oh non, quand même. Je dis, wow mec, respect me please.
This is enough hard. Ok, on fait ça. On part là-dessus. On prend une petite ward. Et let's go. On est derrière en farm, mais bon, après ce qui s'est passé, c'est à peu près logique. Un petit Jarvan. Alors il y a des gens qui me demandent Albion, comme j'ai dit en fait pour l'instant je restream pas le jeu parce que je suis beaucoup trop en retard par rapport à ma guild, du coup c'est pas très intéressant. Et là on va faire des donjons assez haut level pour essayer de me faire XP plus rapidement. Et après je vous le streamerai. Parce que j'ai envie de vous restream mais du PVP, ce genre de choses. Bon, sachant que hier il y a Narcus qui nous a poursuivi. Nice, c'est cool ça. On a notre jungle qui arrive à faire la diff, au moins ça, c'est une bonne chose. Mais il est vraiment devant, hein. Niveau farming il est 1000 fois devant, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh nice, well play. Ma team qui gère. Moi ça me remet bien, tranquillement. Et ouais en fait Narcus c'est un peu une petite poussie tu vois dans le jeu. Ah oui d'accord, j'ai complètement raté le spell quoi. Parce que Narcus, à chaque fois qu'on est, on fait des groupes de 8, nous à peu près, ce qui est déjà pas mal de joueurs, tu vois. Narcus, lui, ils sont à peu près une vingtaine. Et du coup, en fait, il va tenter de faire du 20 contre 8. Par contre, à un moment, il y avait 20 autres personnes sur la map. Et ils ont couru directement. Ils ont pas voulu fight. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que, genre, j'étais avec le nain, tout ça. Et à un moment, on était en train de vouloir PVE. Et Narcus est venu derrière nous pour essayer de nous tuer. Enfin, bon, classique Narcus, quoi. Genre fourbe, tu vois. Un gros, gros fourbe. Du coup, bah mon équipe on s'est split, on a fui. Et personne n'est mort d'ailleurs, il y en a qu'un qui est mort parce que bon il était complètement AFK, il avait pas fait gaffe. On a perdu qu'un joueur. Et mes mates ont fait un bait où ils ont ramené vers l'équipe adverse. Et Narcus, je suis allé sur son Discord pour écouter. Et ils se sont tous fait delete. J'étais heureux. J'étais heureux parce que toute l'équipe de Narcus est morte. Parce que parce qu'ils ont voulu nous tuer. Donc voilà, le karma. Mais voilà, du coup bon, Narcus il tente vraiment des escarmouches en mode PVP pour tout démolir, mais dès que ça se joue en fight correct, y a plus de level. Hein. There is no more level. But there is at 200 HP, help us to kill it. Oh, je pensais pas qu'il allait décaler, mais on sait jamais. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir un jungle qui arrive à bien outplay en 1v1. Plutôt rassurant pour la suite. Ah mais moi ça va être des guerres les gens hein, sur Albion contre Narcus. En plus on est vers la même zone là. Donc t'inquiète pas que ça va se fight à chaque fois. Mais sauf que nous on va se stuff et on va les démolir. Bon pour l'instant je suis en T4 donc voilà on peut pas vraiment les démolir mais... En gros c'est comme si j'étais niveau on va dire niveau quoi, niveau 8 et que tout le monde était niveau 12-13. C'est un peu le problème. Donc faut que je me stuff quand même un petit peu avant Après ça va le faire. Oh, les bonnes games de lose lane win game. Après ça va hein. Niveau farm on est bien. Pourquoi je veux enfin le go. J'ai une envie d'un coup. Là, le problème c'est que mon ulti est compliqué à placer sur la mid lane parce que c'est un range donc il va pas aller au corps à corps pour que je balance mon ult. Ok, coucou Jarvan. Ah merde, il a une swap, j'avais pas vu. Bon, vas-y, à la limite, de toute façon, j'ai rien à acheter pour l'instant. J'ai pas moyen de faire le centre de Bami. Bah, j'ai hold la lane, pardon. Ok, cut. Et vous savez que j'ai trouvé une solution du coup pour ma fatigue des yeux, les amis. Non, c'est un truc tout con, hein, mais. Je regarde 5 minutes la fenêtre avant de lancer mon live. Enfin, j'ouvre la fenêtre et tout quand il fait beau et ça me fait trop du bien. Genre, je suis crevé et d'un coup ça me. Enfin, crevé des yeux.
J'ai une fatigue des yeux. Je ne sais pas comment appeler ça, les amis. En tout cas, ça fait grave du bien. Juste de faire ça. Vous allez me prendre pour un fou, ça y est. Ouais, je pense qu'ils savent que ça sert à rien de me chase. Par contre, ouais, le gars il est parti un peu loin. Ah, s'il va prendre le kill. Il y a des chances, ouais. Ouais, il prend le kill. Nice. Well played. On a un Vlad Fed. GG well played. T'as les bons dégâts de mon perso. Ok, my bad. Les bons dégâts, mais ça reste quand même un 2v1. Bon, il claque un heal. Ok, c'est good. J'ai plus de potions par contre. Le Graze va falloir qu'il m'aide à défendre. J'étais un peu good. Ça s'appelle la lumière du soleil, ça a des effets bénéfiques, il paraît. Ouais, non, mais je sais, mais j'utilise tellement. Genre, tellement jamais. Genre, c'est. Ça fait très bizarre, on dirait que je parle de compétence. J'utilise la compétence soleil. Mais genre avant de faire un live, avant je lançais juste mon live et je restais enfermé dans... Enfin je me préparais juste tu vois et je restais enfermé dans ma baraque. Et juste même ouais. Oh non, 26 HP. Is that real life? Non, faut qu'il crève. Oh, je me suis dit si lui aussi survit. En vrai ça va du coup, c'est ok, c'est ok. Ah, cette haine sur ma pauvre petite tête. Du coup, bon, après, elle a bien joué, elle a bien attendu la fin d'aggro, mais 20 HP, c'est toujours un peu de tristesse en moi. Nice. Oh, il est mort. Ah, faut que. Il a pas eu beaucoup plus d'HP, lui, tu me diras. Vitamine E, je crois, le soleil. Ouais, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça. C'est prouvé. La rédemption. C'est prouvé en tout cas. Hein, mon ulti qui me sert strictement à rien depuis le début. Oh fuck quoi, man. L'ulti est vraiment compliqué à placer, je trouve, en tant que top laner. Par contre, peut-être avoir la mid lane. Oh, respecte tes adversaires aussi. Il a rien respecté lui. Il y a allé mon gars. Genre bah les couilles. I have to go. Ouais bah respecte un peu quand même. Oh, I think this is worth it guys. Not sure. Top the grid, je te jure. Ce sont des vitamines D, pas E. Ok, ok. Je sais pas, je voyais des vitamines E, moi je crois. Hein. C'est des vitamines. Et les vitamines, je prends. Tu continues le sport, oui. Mais c'est très léger. Je t'avoue que ça reste léger. C'est du sport vraiment, tu sais, tellement minime. Faudrait que j'aille en salle, mais comme je dis, j'ai toujours peur du regard des autres. J'aime bien faire ça dans mon coin au moins. Personne pour juger. Juste ça le focus lui en fait. Et... C'est la merde. Enfin, j'avoue qu'il a eu un bon réflexe le Jarvan parce que je pouvais l'achever et puis il a smite le bleu et du coup il s'est heal. Il n'y a plus trop moyen. Go a peur du regard des autres, c'est pour ça qu'il stream devant 3000 personnes tous les jours. Non, mais c'est pas pareil entre faire du sport et. Faire du sport et stream, tu vois. Genre faire du stream ça me dérange pas parce que je suis dans mon milieu, mais faire du sport quand t'as un mec qui a 3 fois mon poids mais en muscle, tu vois. C'est compliqué. Bon 18, je suis à 0-2, 1. Hein, je trouve que c'est pas mal. Une bonne présence de jeu de ma part.
Tu as repris le badminton? Non, mais j'aimerais bien en vrai. Mais à lieu sain, je sais pas s'il y a ça. Après, je suis une grosse merde quoi en bad. Si je reprends. Mais bon, enfin, comme tout, quand tu fais du sport, de toute façon, t'es une grosse merde. Quand tu commences, tu peux pas être. Non, moi je suis. Je commençais le tennis de table, bro. Je suis allé au champion de France, j'ai gagné. C'est bien passé quoi, c'était ok. Mais non, clairement, il faudrait que j'en refasse parce que je kiffe tellement ça. Oh, Billy Billy. C'est quoi ce. Faut juste que je donne ce truc là. Ah, c'est coincé! C'est bon. Oh, nice! J'ai pu mettre en bon ulti, les amis. Aïe. Oui. Juste pour trop la site, c'était peut-être pas très worse. Nice! Et là-dessus, c'était pas trop mal. J'ai bien attendu, le Jarvan, on l'a récupéré tranquillement. On a réussi à tuer la Janna avant Capusul, sinon ça allait être un massacre. Et le Vlad a bien follow up vu qu'il est fed, on fait une bonne AOE. On fait un bon combo. Violent le bump, ils sont sortis de la map. Bah on a mis le Kled out directement. On a mis la Janna, enfin on a tué la Janna. Et après bah, j'ai split le Victor et le Jarvan est revenu vers moi vu qu'il était bloqué. All good. Alors, une chose à faire avec, avec Galio, on m'a dit, c'est de partir sur l'Abyssal ensuite. Si vous êtes pas trop mal dans la game, là je considère qu'on est pas si mal que ça. Il y a 1-2-2, on est ok, tu vois, on a un bon farming, tout va bien. Je réserve un terrain de tennis pour la prochaine fois, je te donne des cours. Je donne des cours à mesure perdue, tracasse. Non mais, alors, badminton je veux bien, tennis pas du tout. Non, c'est pas un... c'est pas la même chose. J'aime bien le badminton. Mais le tennis, j'en ai vraiment jamais fait et ça me tente pas plus que ça, quoi. Enfin, j'en ai fait 2 heures avec un pote, ça compte pas vraiment, quoi. Merci Dika quand même pour la proposition. Et ouais, du coup l'abyssal, pardon, j'avais pas terminé ma phrase. L'abyssal, bah en fait il donne un petit peu de CDR, ce qui est intéressant, de l'ARM. Forcément c'est intéressant par rapport au passif de Galio qui va faire plus de dégâts. Et le Z je crois, ouais c'est ça. Ah le R aussi, j'allais dire peut-être pas le R quand même. Et du coup voilà, il y a plein de stats intéressantes. Et surtout en fait il fait de la magic pen, ce qui va être intéressant aussi sur la cape solaire, qui va lui permettre d'avoir un peu plus de dégâts du coup. Ok, rect, melon. Pauvre petit melon, il a souffert. Mais si on peut pas stop du coup. Ils sont 3. Mais ok, on a la tourelle. Merde. Je voulais tester un truc, ça a pas marché. Je savais pas si on pouvait flash. Nice. No kill. J'ai pas l'impression qu'on puisse, à part si j'ai totalement fail. Mais ça a pas l'air d'être comme un Gragas ou ce genre de choses. On peut pas push plus loin. Oh. Les gars, zéro melon à faire des trucs comme ça. Y'a un utilisateur qui a pop. Tu peux pas. Ouais, mais je pensais. Oula. Bon, gentiment se barrer. Il a quoi le Kled? Pour l'instant, il a pas encore le full stuff. Eh, il est parti couper noir first. Très bien. Pourquoi pas, après tout. Hein. Eh, il a eu son ghost. Ah non, juste on a un Drake. Très bien. Ce serait OP de pouvoir flash. Ouais, mais il y a certains champions qui peuvent. Donc je me suis dit pour copier. Non, s'il avait ult, on aurait pu faire un bon truc. Mais... c'est tellement greedy ce qu'il vient de faire.
I'm alive. Pouf. Il y a tellement gris de mon Vlad. Je suis par la wave top. Pire call. But I want that shit. Ah ça, j'ai pas maxé mon E donc je fais 0 de dégâts. Ok. Pour ceux qui se demandent, hein, le petit shield que j'ai, c'est des shields de magic resistance, enfin de dégâts magiques. Donc par exemple, un mec me fait des dégâts physiques maintenant, il m'a un cul le S, je die quoi. Oh non, ma team qui meurt. Je TP, on va handle. Oh, il y a pas besoin en fait. Ma team pouvait défendre. My bad. Je pensais que ma team needs me, tu vois, mais pas du tout. Ma team needs me. On se barre gentiment. C'est bien, c'est un ulti. Oh, le Mazar, attends, on va peut-être arriver en plein dessus. Oh non, il est mort. Ouais, il est arrivé en plein dessus, mais ça s'est pas bien passé. Clé de flash, très bien. Il y a pas de Zonia. Non. C'est un peu de la merde du coup. Non, on peut pas, on peut pas. J'ai pas la range. Il y a une TP Kled. Ok. Oh merde. Mais il est où? Oh non. Nice. Bon, je suis mort. Mais bon, dommage. J'ai pas vu le Graves ce qu'il a fait, mais au moins on le prend double. Après le S aussi. Le double. Ah c'était pas ouf. Il va mourir là le. Mais. Mais enfin, il pensait à quoi? Je sais pas. Je sais pas à quoi il pensait, mais c'était pas. C'était pas ce qu'il fallait faire. Clairement. Ok, bon. Il me faut de la CDR. Donc, contre les givrons, ça peut être pas mal. Ouais, j'ai pas de TP, pas d'ulti. On a 18-16, en tout cas la game est assez serrée, le seul truc qu'on a beaucoup c'est les tourelles. On a 5 tourelles à 0, ça c'est huge. Là-dessus on a pas mal géré. Oh, oh mais Graves, ça fait tellement mal. Il lui a mis une grosse patate, le melon il a peur d'avoir apprécié. Ça veut gonache. On a pas de smite. Ah, déjà à partir de là, moi je le fais pas. Hein. Oh, ils veulent vraiment le faire. On a pas de smite. Ça va être juste pour teamfight quoi à mon avis. Oh j'aurais dû le flash toi. On perd 2 tourelles du coup là-dessus. Tellement dommage. Il parle tout seul le Graze. Il est trop bizarre. What the fuck chill. Genre, never mind. Tout va bien. Tout va bien Graze. Respire la bonne humeur mon frère. Bon. Ton ulti c'est un global ou pas? Non. Il y a une range à respecter. D'ailleurs, elle est améliorée en fonction de du level du sort, je crois. Hein. Je t'avoue que j'ai pas trop check, mais j'ai l'impression que ça fait ça. Ça me paraît logique. Dans les games, faut pas que ce soit global.
Et en mid game, faut quand même que y ait une range correcte. Sinon, aucun intérêt. Ok. Elle s'est fait choper. Je sais pas si on devrait y aller. On ne va pas. On va voir vite fait. Plus loin. Après ça, je peux tanker ce genre de truc. Généralement, Retarded Champ. Kled ? Non, c'est un très bon champion. Tu veux pas te self ulti, j'imagine. Non. Bon. Pour l'instant, on a quoi ? On a une Caitlyn qui est pas très bien dans la game, mais dès qu'elle aura son troisième item, elle va commencer à faire quand même beaucoup de dégâts. On a un Vlad qui est très bien, donc ça c'est parfait. Moi c'est ok parce que je vais être le tank donc ça passe. Le Kled par contre est huge. Enfin huge, il est très bien. Ok, nice, un flash en moins. Ah, c'est sûr que de toute façon le Kled je teste pas. Ok, on gagne un petit Drake. Bon, c'est les deux Drake les moins intéressants qu'on a à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive des fois. Drake nuage. Après, 3 Drake nuage en vrai. Niveau mobilité, je rigole pas, c'est intéressant. Alors là, mon gars. Alors là, mon gars. Tellement fait la diff. Oh, il est chiotte! Je suis arrivé tellement au meilleur endroit pour pouvoir tous les taunt. Non? Tu veux pas. Ok, bah moi je vais aller défendre botlane. J'ai ma TP qui est up. Oh shit! Nice! On a fait un bon move avec, avec Galio. Ça fait plaisir. On est parti sur un GA maintenant histoire d'être un peu plus tanky encore. That flank. Yeah! Moi je me suis dit, s'il n'y a pas de vision, je défonce tout. Son outil. Voilà, comme je disais, le Kled lui il s'en bat les couilles maintenant. On le drain, le Nash, voilà, est terminé. Parfait. Du coup, on gagne une T2, un Ashor, on perd une T2. Mais on gagne beaucoup au niveau kill. Ok, on gagne encore un kill. Mais Galio en fait c'est pour ça que c'est pas un excellent top laner, c'est parce que, enfin imaginez si une Fiora ou bah même le Kled, bah je peux pas faire grand chose en lane, mais par contre, niveau teamfight il est super solide et c'est ça sa puissance. Le problème c'est que du coup en top lane, bah vu que vous faites pas mal de speed push, c'est pas extraordinaire quoi. On a qu'un creep, on va pas aller loin avec cette merde. Il y a un poster qui vient de se détacher et ripé. Bon, faut que je reste en range, mais. C'est pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux tellement split l'équipe adverse. Tu vois, genre. Il y en a un qui outpose. Juste wrecked. Ah, le bâtard. Par contre, lui, il peut me. Peut me kite. Oh, il manque une auto-attaque. Dommage. On prend l'inhib. Le Kled a flash. Tout va bien.
On a perdu un poster dans la bataille. Il a rendu l'âme. Ok, GA, il manque quoi, 300 gold. Tu vois bien. Bon bah early game compliqué, mais waouh, la Kate, ça y est, commence à piquer là, elle met des bons petits crits. Early game compliqué, mais on est bien revenu dans la game. Ça fait plaisir. Plus un bon petit move, genre, histoire de pas se faire full porter, tu vois. Tu dis ouais, j'ai été utile quand même, les gars. T'y vas? Tchou. Oula, il est parti peut-être un peu loin, le... C'est trop bien. C'est trop bien, Galio, mon gars, putain. C'est beaucoup trop cool. Bon bah voilà, je suis full stuff. Ah non, j'ai juste un sonore à gérer. Ouais, le Z, faut le maintenir. Faut le maintenir pour que ça marche. En fait, c'est vraiment l'early game qui est chiant sur ce perso, mais la suite, c'est... La pauvre Janna, ouais. Bonne régène du Vlad, ouais, très très bonne régène. J'ai raté mon E. Ok, peut-être un peu gris, les amis. Peut-être. Je mets des belles patates. Bon, par contre là je suis mort. Même si je mets des belles petites patates. Ah non. Ah, oh merde, il y avait la quête. Je voulais me barrer moi, genre. Oh merde, j'ai oublié lui. Tellement dead. Non, t'aurais dû focus les tourelles du coup pendant ce temps là. Enfin, même s'il y avait Cat Kid Chase, genre elle était morte. Ok, bon, par contre, forcément, teamfight, tu fais plus non plus la diff dans ces cas là. Et je me dis, attendez, on est en mode supporting, on a nos 40% de CDR là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Genre les 30% plus mes runes. Si on part sur un médaillon de Solaris, c'est pas dégueu, permet d'être un peu plus tanky, de gagner un peu des meilleurs. Bon, c'est toujours ça en plus, quoi. Et surtout, bah du coup, je peux être utile à ma team en donnant un petit shield global. Ce qui est pas dégueu. Sachant que là, attendez, on gagne combien? On gagne 54 de dégâts en plus sur le passif. En sachant qu'en team fight, tu peux en balancer au moins 2. Donc c'est pas mal. Sur Z, on gagne 11%. Attends, mais quoi? Je suis à 51% de réduction des dégâts. 51. Nice. Plus, si je subis pas de dégâts pendant 12 secondes, j'ai un shield de 524 de dégâts magiques. Ok. Et le R, je donne aussi 51% de réduction de dégâts pendant l'atterrissage, quoi. Ok, ok. C'est pas mal. J'aime bien. Ça fait un bon gros shield. T'as pas beaucoup d'HP quand même. C'est vrai que niveau HP, bon, j'ai 3000. 3000 en vrai, ça va. Mais bon. Non, l'ulti de Malphite est mieux que le E de Galio, quand même. C'est quand même un peu mieux. Et bon, Galio, il a un taunt, il a quand même pas mal de trucs. Merde. Ok, ça va. C'est raté, l'ulti. Sharif. Je les contrôle tous. Non, il a un point de vie. Fuck. Bon, par contre, j'utilise mon E pour taunt, du coup, forcément, derrière, c'est un peu plus compliqué. Oh, ils ont un point de vie chacun! Mais qu'est-ce qu'il fait, le... Ah oui, si, ça fait mal. Oh, nice! Le E qui a du Malzar, qui a dû prendre le kill. Alors, je sais pas s'il va finir, parce qu'il y a le Jarvan qui est quand même re-up. Ça m'a l'air compliqué. Oh, nice, il a raté. Non, mais respectez-le quand même. Faut le buter ou... faire quelque chose, mais... Bon, c'est compliqué. C'est pas mal, ça. Le mettre en blind. Les points de vie qu'il a. Ok. Oh non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Wow, l'ulti au corps à corps. Ok, nice, GG roleplay. Ouh, what a game, man.
Maintiens ton taunt. Mais en fait non, le taunt c'est vraiment pour essayer de les buter. Et du coup je l'ai pas maintenu, j'aurais dû. Mais bon. Unlucky man. Est-ce-moi avec Galio. Bon, on a mis quelques dégâts, ça va. Il y a un fragment de clé. Attendez, qui dit fragment de clé? Qui dit coffre ou... Ah bah non, j'ai pas de coffre. Ah si, j'ai des coffres. Pourquoi j'ai... Lequel? Celui-là. Qu'est-ce que j'ai à la fin de... De cette vidéo, un team éclaireur. Ok. Hein, bah c'est déjà ça. Putain, j'ai tous ces champions qui me servent à rien. Bon, je les brûlerai plus tard. Bon, du coup, bonne petite game sur Galio. Niveau des runes, j'étais parti. Bon, je sais pas encore si la vitesse d'attaque c'est intéressant sur Galio au top. Peut-être de la Magic Pen plutôt, on verra. Je pense que ça peut être un peu mieux. Sinon, de la paix. Faut voir encore. Peut-être la tankiness. Hein. Peut-être partir sur un truc plus tanky. Mais bon, c'est des tests. De la CDR, tout ça. Niveau des maîtrises, on est parti quand même sur Colossus parce qu'on a beaucoup de. Beaucoup de CC donc c'est facile à faire proc. Donc voilà, petite game sur Galio. On va essayer de peaufiner un peu le champion. A voir s'il y a moyen de faire d'autres bonnes petites parties dessus. Parce que là l'early game est vraiment compliqué à chaque fois. Mais par contre en teamfight c'est plutôt solide. Bref, des bisous YouTube et à la prochaine.